And with that, the 2022 season comes to an end. Good night. Sous le sapin. Bienvenue au cœur de notre chantier IMOCA. Tant qu'on n'aura pas trouvé de partenaire, Paola ne sortira pas de cette pièce. Ah, vous avez l'air heureux là. Ah, c'était génial, c'était trop bien. On a passé l'émotion du départ pour la première course sur l'IMOCA. Grosse descente au portant avec une bonne stratégie dans du vent fort, donc c'est cool, on a bien navigué. Puis là on fait un peu de reaching, donc voilà, c'est tout bon pour la suite. La piscine pour Lazare, tu pour te dire que ça aurait été sympa d'avoir un petit peu de respect pour son ancien bateau. Super départ, je suis parti très prudemment, donc pas hyper bien placé, mais ça y est, là je suis dégagé de tout bateau et je sais pas pourquoi je crie, il n'y a aucune raison, mais tout va bien. Les bonnes bolos, le kilo de bolos préparé par l'atelier des chefs, merci les gars, c'est top. Aujourd'hui c'est le 11 novembre, petit message à mes concurrents. En ce jour d'armistice, je ne chercherai pas à vous doubler aujourd'hui. Par contre, dès demain, aujourd'hui, le programme, c'est repos, 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 repos. Parce qu'après, il faudra tout donner, tout donner, tout donner. Et j'ai passé mon premier pro en IMOCA. Et ouais, les amis, c'était coton, hein. Allez, regardez la vue. Ah, ah c'est sûr, c'est penché, là, hein. La première fois depuis le départ, on peut être à l'extérieur sans être mouillé. Je vais bientôt être papa, peut-être que je serai en mer, peut-être pas, on verra. Je me suis promis de confectionner un petit bonnet au crochet pour ma petite fille. Je sais plus. Allez Lazare, faut rien lâcher là. Putain, je tiens même pas debout. Eh hey, salut les amis. Et voilà, Lazare glisse dans les alizés. On n'est pas malheureux. L'IMOCA Lazare est à 100%. On est plein piston. Ça tartine. J'arrive le plus vite possible et tout va bien à bord de Lazare, je deviens fou. Ça les amis, c'est lever de soleil dans l'Alizée. Et ben je peux vous dire que c'est magnifique. Et au milieu de la nuit là, j'ai le safran qui a tapé quelque chose et qui a cassé. Je suis forcément un petit peu dépité après m'être bagarré comme ça pendant... Je me suis bagarré pendant 12 jours en fait depuis qu'on est parti. Ça effacera pas la belle course qu'on a tous fait tous ensemble. J'étais censé vous faire cette vidéo pour vous dire que j'étais super content et qu'on allait tous les éclater. Et puis en fait non, c'est pas trop l'ambiance. A bientôt, on se trouve sur la ligne d'arrivée. Non non, c'était génial, je reviendrai. Et puis surtout, je suis qualifié pour le Vendée Globe et ça, c'est ouf. Ça, c'est trop bien. Je suis trop content.
tell her that I love her endlessly. Allez, c'est reparti.